Et nous sommes de retour pour plus de mission avec le capitaine Hostess. Alors, 4 jours, on a de l'argent, on peut payer 2 fois, c'est très bien. C'est parti. Donc on a une chasse là. En fait, on va dans la direction de la chasse, mais c'est pas voulu. C'est quoi ça? C'est une tour abandonnée? Ouais, non. C'était une prison. Ancien poste de douanier. Ah oui, alors ça par contre, là on va prendre les boucliers. Enfin, je crois. Oui, on avait dit les boucliers. Je vais pas chercher 3 heures parce que... Ancien poste douanier. Attends, parce que... Il y a un crâne, mais ça devrait être bon. Pas horreur, ni foi, ni loi. 300, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Non, ça va. Honnêtement, ça va. Honnêtement, ça va. On a du... Alors, passif de sursaut, les ennemis développent des stratégies de combat plus poussées et spécialisées. Oh merde. Bandit, dégâts contre des cibles engagées augmentent de 30%. Les cibles engagées deviennent des cibles prioritaires. Ça devrait pas être trop problématique. Faut juste bien gérer le truc. On va faire du feu. On va faire du feu. Là, on a quoi? Un maraudeur, 2 archers. Donc là, ça peut être... Ça peut être géré assez facilement. Oui, toi tu vas te mettre avec là, avec les gros dégâts. Lucia. Orline, tu... Il va falloir faire attention, Orline. Alors, Taurus. Ok. Ok, je crois que ça peut se faire. Je crois que ça peut se faire. Ça va pas être simple, hein. Mais je crois que ça va.
Ok, très bien. Maintenant, je voudrais bien commencer eux. Je mets où le voleur? Ok, oui, je sais pas s'il va toucher tout le monde. Pas mal. Instinctif. Ça fait quoi, instinctif? J'en suis les coups critiques réduits de 25%. Cool. Elle est cool, Lucie. Après, c'est le boss. Alors. Merde, je peux pas faire l'attaque. Ah merde. Attends toi. Ok, ils ont été... leur attaque a été réduite et tout ça. Qui peut tuer lui et commencer le hit. Voilà. Okay. honnêtement, on n'a peut-être même pas besoin de... C'est bon. Par contre, il y a ces trois là qu'il faudrait bloquer. Je sais pas comment les bloquer. Si en fait. Ça va. Alors, ça va être le truand. Bien joué, Jill. La dernière fois, j'avais dit que c'était Jill Valentine.
lui ressemble un peu. Alors, prochain c'est toi. Après il y a toi aussi, il faut qu'on bloque. Très bien, on a senti. Attends, elle va jouer. Du coup, on va se mettre à côté. Et on va peut-être la tuer. Prochain. Elle va mourir. Hop là. T'as engagé toi, c'est marrant. Des fois je comprends rien. Oui, il y a toujours elle. J'aime bien que quand on baisse la caméra, ça fait un peu un jeu de... Dynasty Warriors, c'est tout. De voir comme ça, de pas trop voir du dessus. Ça a rien à voir, mais... Okay. J'ai pas... Et ça fait... J'ai pas de sens, ça fait sens. Tuer comme ça. Ça c'est tir de super précision quand même. Je vais pas dire mais. Rien. Oh, 32. Ah, ça c'est tout leur bonus de merde là. On est bon. Voilà, maintenant, tout le monde meurt. Ouais, lui, il fait chier par contre. Il fait grave chier. On va se le prendre parce que sinon...
Est-ce que je peux... Très bien. Bon, lui il a trop de vie, ça commence à me gaver. Tiens, on va le foutre dans le feu en plus. Adieu. Oh la vache. Genre en plus c'est marrant, c'est le voleur qui lui fait faire ça. Et je suis sûr que l'autre il dit, mais qu'est-ce que tu me fais faire? Tu me fais tuer des gens, c'est trop bien. Magnifique. Pourquoi je peux faire Kourou? Ah, c'est parce qu'il y a le mec à côté de moi, c'est ça? Mais attends, je suis pas engagé en fait. Je suis engagé. Bref, on va voir ailleurs. C'est quoi que faudrait peut-être le. Oui, non, s'il faudrait se le faire. Qu'est-ce que j'ai moi? Ça c'est fait. Ah, j'aurais pu le faire attaquer. Voilà, 4-24. Alors, il reste combien de gens? Faut qu'on s'occupe de ça, là. Fouf. 41.
Ah mais attends, lui c'est sa hache. Ah il va toucher. Il va toucher l'autre avec sa hache. Pas mal. Je peux peut-être utiliser un cochon. Non, je peux pas. Attends. Lui. Voilà. Portée du déplacement, elle est cool maintenant, du loup. C'est ça qui est intéressant en fait. Ah tiens, on va tester. Ça lui a enlevé le feu. Ça lui a vraiment enlevé le feu. Donc il a bien un truc pour s'enlever le feu. Enfin, s'enlever tous les malus, ça fonctionne bien. Pas mal les dégâts. Voilà. La nouvelle recrue fait du bon boulot. Ouh, on a du bon là. On a du bon, alors fais voir. Alors déjà on a eu intermédiaire. Niveau 6. Un Aubert hors la loi, niveau 6. 23, 13. Il y a de la garde dessus. Là, c'est mieux. 43. C'est ouf. Mais attends. Je sais pas à qui le mettre en fait. 43. Là c'est quoi? C'est de l'armure et de la garde. Niveau 5. Attends, ça on peut la virer du coup, on peut la jeter. Celle-là on la garde. Même c'est niveau 5, elle est niveau 3. Là c'est niveau 4. C'est un peu compliqué là. Taurus, c'est pas mieux pour lui. Celui-là, on a mis de la force du coup. Vingt-et-un,
par contre, le transport, ça fait chier. C'est quoi, c'est intermédiaire aussi? Ouais, ça me fait un peu chier de perdre du transport. Mais bon, enfin, je crois qu'on est un peu obligé en fait. Là, il y a du critique en fait partout sur toutes les armures, honnêtement, c'est le plus important. Bon, sauf celle-là. Mais celle-là, on perd un peu trop de défense. Toi, là, il y a du critique aussi. Elle, c'est pas vraiment un tank et tout, donc autant qu'elle ait du critique. Lucie, c'est un tank. Bon, il y a eu du critique aussi hein, sur son armure. Hein. Tiens, celle-là, elle a mieux. Elle a moins de garde. Elle a moins de garde. Ah. Lui, à la limite, il peut faire ça. Parce honnêtement, il est pas vrai. Torte, il n'est pas vraiment super ultra utile. Taurus, on augmente ses dégâts en fait. Le Taurus, c'est plus un DPS qu'autre chose. Alors là, on a quoi? Une dague abîmée. Lame émoussée, dague en corcavane, j'ai de lourds dégâts. Et elle fait empoisonnement. Dague de niveau 5, yay! Yeah. 26, là on faisait quoi? 18, 23. Ben voilà, est-ce que tu peux la prendre celle-là? Ça c'est quoi ça? C'est juste un... Embuscade 30%, ok. Voilà. Je suis pas sûr en... Ça c'est niveau 4. Je sais pas si au final... Enfin quoi que honnêtement c'est très peu de différence. Il y a peut-être celle-là à la limite, niveau 6. Mais encore une fois... Faut qu'elle soit niveau 5 en fait pour la mettre donc. Ah, le miel. C'est pas pour maintenant quoi. On a toujours 44, très bien. Terminé la mission. Et le coffre. Alors, ce coffre est décoré d'un œil vermeil, le symbole de l'Inquisition. Let's go. Cher un truc quoi. Yeah. Cool. Cool, cool, cool. On a 500 à récupérer. Bon, on va faire la caravane noire là. Un petit moment qu'on voulait faire des trucs comme ça. J'arrête pas de cliquer sur là. Je crois que c'est... Ça doit être de nuit sûrement.
Ah, attends, c'est pas les déserteurs, ça? Je préfère mourir que retourner dans l'armée de Léona. Cet homme est malfaisant. Soudoyer. Combien de renards le camp de l'alerte? Soudoyer? Putain, t'es sérieux, quoi. Pensez vraiment que Hurt va gagner si c'est le seul moyen d'arrêter la guerre, alors d'accord. De toute façon, on peut pas faire grand chose. Faire grand chose d'autre. Donc, trouver et attaquer une caravane noire. Tu veux que je fasse quoi? Que je me mette en embuscade? Ah! C'est ça une caravane noire? Caravane noire. Là, on n'arrête pas de faire des combats là. Enfin, ça va être des longs combats, je pense. Zélote. Ah, c'est fanatique là. Ouais, on les a déjà combattus, ils sont pas énormes. Il est où le chef? Il y a un chef? Il n'y avait pas un chef? Si. Non? Non, il n'y a pas de chef. Non, ils ont pas de buff. Alors. Là, je peux en toucher deux avec. Notre copain. Kirik. Alors, Kirik. On pourrait peut-être tuer les deux en fait. Je passe à travers pour leur mettre des debuffs et après on tape. Cette masse de merde là. Est-ce que je peux tuer les trois? Non.
mieux que je le fasse. Ok. Boom. Voilà. Je crois que c'est pas mal. J'aurais dû. Ouais, vraiment faire la, le truc pour avoir des points en plus là. Ça là, la motivation des troupes. Non, j'ai pas fait. Non, mais c'est vrai qu'on les a pas touchés. Mais c'est un problème ça. Et ouais, t'es bête. Hein. On lui avait mis de la portée à Orlin ou pas? Parce que j'aime bien. J'aime bien son déplacement en fait. Fait mal le 31. Alors, qui n'a plus d'armure? Oh. Attends. Après ça va être normalement, elle devrait le taper, je pense, quand il jouera.
Ouais. Là, il faudrait qu'elle ait une habilité pour changer de d'arc, hein, putain. Ça va ou quoi? Voilà, nickel. Ah la vache, qu'est-ce que c'est bien. Nickel. Adieu. 36. Ah ouais, non, il va faire mal. Taurus va commencer à faire très mal, je crois. Taurus va faire très mal avec son build, en fait. Glorieux. Attends, on a une épée, mais c'est quoi? C'est la flagellation. Ah, ok, c'est pas vraiment intéressant pour moi. Enfin, après, les dégâts, je dis pas que c'est pas bien, mais. Ça va pas pour nos persos, en fait. Lucie a monté de niveau. Ouh. Lucie, c'est quoi? Lucie, c'est le gros tank, hein. Alors, augmente les dégâts de compétences et sur la force et les dégâts critiques. Augmente de la santé, utile, augmente de transport. Okay. Je dis pas non à la force. Hein. Se faire des dégâts, c'est toujours très bien. Après, elle a pas trop de mouvement, je crois. Mouvement, elle a que 8. Ah oui, mais elle a 8 parce que l'armure. Bah après, elle a pas besoin vraiment de se déplacer. Elle. Je sais pas, on lui augmente la vie ou on lui augmente la force? Moi, je dirais on lui augmente la force. Plus de dégâts. Bon, matériaux bruts, ça va. Tant qu'on a des matériaux bruts, on peut jouer, en fait. Honnêtement, j'aime bien ce système de jeu au final. Eh bien, nos espions méritent leur solde. Cette charrette est chargée d'or. D'où viennent ces crowns? Qui te les a... Qui te les a les donnés? Quoi? Ouf. Ok. Dans la forêt là-bas, il y a un chemin caché, il y a un camp, des hommes chargent nos charrettes, les cochers comme moi n'ont pas le droit de leur parler. Je m'en prie, ne tuez pas, Seigneur Vanis m'a réquisitionné, je n'ai pas eu le choix, pitié. Cesse de me regarder avec ce visage terrifié, je n'ai pas l'intention de te tuer. La prétendue cruauté du comte Léoné est un mensonge colporté par Vernalis pour faire oublier ce que c'est lui qui a déclenché la guerre. Bien, je crois que nous avons une piste, mercenaire. Que direz-vous de poursuivre l'aventure ensemble jusqu'à ce mystérieux camp? Cherchez une autre caravane noire et prenons-la en chasse. Nous avons ce fameux massacre. T'es sérieux? Oh, attends, il y a des machins bizarres. Trouver une caravane noire, suivez-la.
Ça va dans quel sens ça, alors? On peut dormir sans problème ici? Ouais, ça va. Le blé, c'est bien pour ça. Il faut 3 blés. Très bien. 42, 83. Alors, toi, c'est amélioré. Méné qui veut parler. Le truc du fromage, cette Orline, je doute qu'elle survive à une vie au grand air. Mettrai en seconde ligne. Sujet paroles intégrées. Présenter Orline aux autres personnages. Compagnons, pardon. Écarter les sœurlines à l'écart du groupe. On va la protéger, hein. Oui, Orline, elle est pas. Oui. J'en générais un point de bravoure à la fin de son tour, sinon engagé. Et Orline, elle est la petite fragile, quoi, qui vient d'arriver. Faut la protéger. Très bien. Trouver carte. Tu veux encore que je fasse une caravane noire? C'est quoi ce... Elle est là ta caravane noire? C'est quoi ça? C'est juste des loups, ok, ça marche. Caravane noire! Ouais, c'est reparti. Le problème, c'est qu'ils sont un peu nombreux à chaque fois, c'est relou. Alors, Will. Ok, Kerik, tu vas te mettre. Est-ce qu'il y a un endroit où ils sont. Ah, ils sont paqués ici. Attends, Kerik, il peut peut-être passer comme ça. J'en sais rien en fait. Et il va falloir peut-être un peu plus d'aide en fait.
Ou alors on les laisse venir. Enfin, parce que j'aime pas trop là le. J'aime pas du tout en fait le tout à droite là. J'aime pas du tout ça là. De laisser un groupe à genre à 3 ou 4 là contre 3 mecs, non, ça va. 3 mecs avec des torches, c'est ça le problème. Cadeau. Voilà. Lucille. Ça c'est Lucille. Ouais, attends, comment elle s'appelle? Lucilla. Ça me fait marrer parce que ça se rigole. Comme Lucille, la batte. C'est proche quoi. La batte vampire. J'aime bien que maintenant le fixe, le cheval et l'ours soient devenus des super tanks en fait. Ah, attends, l'archer, je l'ai mis où? Là, on aurait pu les brûler, bah, c'est pas grave. Toi, par contre, on t'a mis sur défense? Défense. Il est où 8? Il est là. Très bien. Toi, tu bouges pas. Toi, tu bougeras pas. Taurus. Putain. Oh. Genre un. Comme ça elle protège les deux. Ah, c'est pas mal ça aussi. Ah, tu vois. Faire pour lui là. Comment on va faire? Toi tu peux pas aller très loin. Il y a Aegram qu'il faut qu'elle augmente la mobilité alors. Sa mobilité est un peu catastrophique.
Pas mal. C'est sympathique ce multi-coup là. Dis-moi, on a des lances de tous les côtés. Ah oui, il s'amuse bien. Suivant. Là là. Attends, par contre, le ciel a... Amateur des boucliers et instinctif, ça c'est top ça. Ouais, ça va devenir un bon tank, elle, hein, je sens que ça va devenir un bon tank. Je suis assez content. Oh, elle va le tuer. Bien joué. La petite nouvelle. Je pense qu'on va lui mettre un nouvel arc à elle. Si tu peux le tuer. La réponse est oui. La réponse est oui. Un coup de marteau dans la bouche, honnêtement, ça résout beaucoup de problèmes. Curieusement. J'aime bien ce que Will, il peut quand même... Merde, je l'ai pas dépassé. Willy peut quand même presque genre solo en fait des gens. Faut être honnête. Hein. T'as déjà vu un ours faire la moitié de la map? Merci le cheval. Interrogatoire musclé. C'est quoi c'est non. Alors, dégâts. La cible et attaque de nouveau jusqu'à... Ah, mais c'est ça!
Appliquer fièvre. Chaque attaque augmente la chance de l'appliquer de 20%. Donc, du coup, c'est quoi? On peut attaquer jusqu'à 5 fois en fait. Que c'est 20%. Ou au moins on a 100% en fait de votre fièvre. Bon après c'est pas très fort parce que c'est de 20 à 40% de la force. Mais bon, ça tape plusieurs fois. En fait, il faudrait un. C'est un build critique en fait. Vu que c'est un plusieurs coups, c'est un build critique qu'il faut. Comme ce qu'on a avec Menefrae par exemple. Vu qu'elle a une différence de coups. Ah mais il n'y a personne qui peut utiliser ça. Ah, si elle, mais... Attends. Attends, ça c'est du niveau 3, 8. Ignore la carne. Du coup, elle a pas de critique. Bon, après, ça, honnêtement, son attaque de base faisait pas extrêmement mal. Donc, je sais pas trop. Après, elle a un critique de merde. Hein. Mais il n'y a personne d'autre qui utilise. Ah, il y a Torte. Un transport 7. Pourquoi tu gagnes en transport, ce ghost merde? Enfin bref. Je sais pas. Ouais, le truc c'est que ça fait pas tellement mal déjà de base. Donc j'imagine que ça peut pas faire de mal. J'ai pas de bouclier par contre. Mais bon. On verra. Ah, trouver une caravane noire et suivez-la. D'accord, ok. Fallait pas la défoncer. Cassez-vous, les loups. Merci. Un truc, c'est... Est-ce que ça, c'est une caravane noire, honnêtement? Enfin, après, il y a des caravanes qui font des allers-retours de ce côté-là. Donc oui, c'est ça, mais... Ouais, il y a un chemin. Waouh! Un chemin magique apparemment.
Ah, il faut avancer. On a eu chaud. On peut aller là. Le camp dissimulé. C'est le moment qu'on brûle tout, c'est ça? Alors, capitaine hostesse. Si je vais, bien sûr, le capitaine hostesse, il n'y avait que vous pour vous cacher dans un groupe de mercenaires, espèce de vieille fouine. Mais votre ingéniosité a ses limites. Vos crasseux compagnons ne valent pas une armée entraînée. Fou. Je crois que c'est du même acabit de ce qu'on a déjà fait. Hein. Adorateur. Ouh. Dégâts augmentés 50%. La troupe ennemie ne peut pas gagner galvanisation. Intéressant. Un adorateur, c'est, on dirait une un mec spécial en fait. Hystérie. Un fil de deck, dégâts à la cible. Recommence pour chaque bonus appliqué sur la cible. What? Waouh, genre si les mecs ont plein de bonus, en fait on fait que taper. C'est intéressant ça. S'il meurt, est-ce que ça s'arrête de fonctionner, j'imagine? Bon, on va pas se laisser déstabiliser. Par contre, on va essayer de tuer l'adorateur direct avec le coup de la Lucilla. Alors, je vais y arriver. Hein. Je suis un débile ou quoi? Ah, mais il y en a plusieurs des adorateurs en fait. Bon, on va déjà essayer d'en tuer un directement. Il est où, Kiri là? Kiri. Putain, il est là. Alors. Ok, Kirik. Avec. Bon, par contre, ce serait bien qu'il trouve un moyen de. Ah, ça fatigue, quoi. Peut-être que les gens soient côte à côte. Je sais pas.
ça. Torte. Taurus, 8. Ok, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Il y a la... Il y a elle qui devient vraiment inutile, en fait. Soit on essaye de pas brûler en ce moment, donc c'est un peu la merde. Par contre, t'as... Frappe consacrée. Et cette attaque touche plusieurs... Ah oui, ça fait le feu, oui, d'accord. Okay. Voilà, un putain de bouclier, une putain d'armure, quand même. Non mais d'abord on va se faire l'adorateur. En train de voir si la motivation je peux pas l'utiliser genre là et toucher tout le monde. Yes. Très bien. Va le tuer. Hein. Adieu. Qu'est-ce que ça fait plaisir. On va faire un coup de poison, on va partir. Attends. Mais... Dès que c'est une unité engage à l'ennemi, etc. Non mais attends. Il y a un bug ou quoi? Parce que là, il y a ça, ça part pas, hein, volonté du chef. La volonté du chef reste, hein. Il y a un bug, hein. Pas con quand même. Ça c'est bien ça.
Alors lui, il faut s'occuper de lui. Et on va s'en occuper. C'est un peu casse-couille ce que tu fais, mais... On se débrouille. On a tapé deux fois, ça fait fièvre. Après, elle a deux attaques. Donc, ça veut dire que la deuxième attaque va faire plus de dégâts. Comme là, par exemple. C'est qui, c'est toi? Ça c'est pute. Ça c'est pute. Là on va les debuff. Comme ça ils feront pas beaucoup de dégâts. Ok, je devrais pouvoir toucher les trois. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un bug. Ça fait mal. Dans la tactique là. Non, là il va se mettre à côté, il va me toucher les deux. Non, moi il me touche qu'un seul. Bah il va toucher son pote. Ah non! Ah non, c'est vrai qu'ils ont pas de... Putain de merde.
faut l'aide au cheval là. Ah, j'aurais pu toucher les deux. Faut vraiment... Ouais, faut venir en aide au cheval. Je sais pas comment. Attends, tu viens de défoncer ton mec là? C'était violent, tu viens de faire 20 et quelques. Alors, il y a 8 qui est pas loin. Si, si, il est loin. Ça va, ça se passe. Ça se passe vite fait quoi. Et on arrive à quelque chose. L'épée magique. Ah, je suis content. Yes.
Alors faire un peu le carnage. Un HP. Okay. Alors c'est qui a engagé là? C'est celui de gauche. C'est chaud. Ok, ça va. Oh mon dieu, oh les HP. Oh les HP. Oui mais attends, elle a pas... Aïe 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 aïe. Comme ça on en parle plus que lui va... Il est bas en vie. Voilà. Devrait être bon. Ok. Ça fait mal, hein. J'ai un peu... Ça va. Tout petit peu peur, quoi. Il devrait mourir. Voilà. Et il reste bien quand même, hein, bien longtemps.
un cadeau. Oh, on a eu l'épée à une main. Et on a eu la veste bénie. Oh, putain. Quel combat. Oh là là, j'ai besoin de repos, moi. Alors, Kega a toutes les unités dans la zone. Si cette attaque touche plusieurs unités, crée un feu sous chacune d'elles. Alors, ça, c'est bien si on arrive à crafter, en fait, le truc qui nous immunise contre le feu, à la limite. Ça peut être intéressant pour ça. Donc, c'est une épée. Donc, on va pas la changer. C'est ça, elle est trop utile en fait. Il n'y a pas grand monde qui utilise des épées en fait. Et bah du coup non. Ça pourrait être intéressant, mais non. Par contre, l'armure, c'est 32 crit 3. Crit 3. Toi, t'as mouvement moins 2 en fait. 8. 8, c'est peu le mec qui bouge. Donc. Ah, mais du coup, il perd la garde. Ah, il a garde 20, quoi. Ah, même si une armure lourde, lui, si, lui il peut porter les armures lourdes, donc j'ai pas vraiment envie que bah, qu'il en porte plus en fait. Alors Taurus. Non, Taurus, ouais. Non mais là aussi on perd de la garde. Parce que j'ai pas envie que les sortes de... Enfin, ceux qui monopolisent ou qui tankent un peu, pas les genre boucliers, épées et tout ça, mais avec des deux mains là, c'est pas mal si... Genre ça c'est un pur tank. Oui, ça l'est pas, mais il est quand même résistant, donc je veux quand même garder cette résistance en fait. Ah mais attends, c'est une veste bénie, c'est pour ça qu'il n'y a pas de garde dessus. C'est une veste légère, je veux dire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de garde dessus. Je vais voir ça. Ah, t'es déjà niveau 4, ça reste. Aurélia. Ben voilà. Jill Valentine. Très bien. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais changer? Il y a un truc que je voulais faire aussi, c'est... Je ne sais plus.
Oh la vache. T'as quoi, t'as? C'est une énorme plein filet de coups critiques. Oh, d'accord. On va enlever ça vite. T'es sérieux? Une deuxième? Oh, putain, ça coûte cher ça. Bah, l'une c'est un drop aléatoire et l'autre ça doit être toujours sur là. Mais ouais, ça coûte cher. Après, je sais pas si c'est utile pour nous. Enfin, nous, on a à la limite deux personnes qui peuvent utiliser les épées, mais une c'est avec une épée à double et on peut pas vraiment enlever son système de combat. Et l'autre, elle a l'épée antique. Donc bon. L'homme que nous avons combattu se nommait Octavie. C'était une redoutable inquisitrice. Je ne pensais pas la revoir ici, mais sa présence rend une chose certaine. L'inquisition finance Vernalis. Ou plutôt financée. Maintenant que nous savons qui sont les alliés de Vernalis, nous allons redouter de prudence aux frontières et surveiller de près église et monastère. Quant aux 300 crones que les inquisiteurs nous lèguent, je vais les remettre contre les nains, c'est un juste dédommagement pour les souffrances endurées par notre armée. Voici votre part, j'aimerais remercier avec le mérite son salaire. Ok, ça marche. Attaquer et je vais voir. On fait ça? Attends. On peut plus revenir en arrière. C'était quoi notre part? Merde, c'était quoi notre part? Ouais, je peux plus revenir en arrière de toute façon. Je sais même pas quoi dire là, je... Parce que moi je voulais... Comme d'habitude, normalement on peut toujours revenir en arrière, on peut voir en fait la puissance du mec et de ce qu'on attaque. Donc c'est ce que je voulais faire. On peut le ligoter. Tu veux commander au 16 pour que ça ne sèche pas trop vite. 2025. C'est pour moi. J'ai même pas fait attention à la récompense. Je
regarderai sur la vidéo. Il est bugué ce coffre ou quoi? Je peux pas. Oh, on va en faire un autre. Je pouvais pas, genre, bien faire. Très bizarre. Ouais, c'est 3, c'est en pièces. Je peux pas. Non, c'est pas là, ok, ça va. Ah, putain, la chance. On est dans la merde. Bon, qu'on campe. On va s'arrêter là. Alors, toi tu veux... de la constitution, voilà, une centaine d'HP comme ça. Bon, on a de l'argent, c'est bien. On a toujours notre prisonnier à la con avec nous aussi. Alors, on a une guisarme de la Légion. Niveau 4. Niveau 5, pardon. Donc du coup, Méné, elle va être contente. Donc, 5. 6. Alors maintenant, avec Will, on fait pareil ou pas? Je pense pas qu'on va faire la même chose. Là j'en sais rien. Là c'est 4 fois 7. Pourquoi il fait autant? Il fait plus de dégâts lui. C'est mort ça. Il fait 4 fois 8. Elle fait 4 fois 5. C'est plus ou moins la même chose. Ça fait plus ou moins pareil quand on double les dégâts à distance en fait. Sauf que là, bah, y a une chance de faire 4 fois de crit en fait. Je sais pas laquelle est la mieux honnêtement. J'aime bien le... Là, j'aime bien moi la guisarme en fer sur lui. Parce que elle repousse pas, ce qui est bien parce que du coup, elle peut faire ça. Le soutien à serrer, là, ça marche très bien. Avec le fait qu'elle repousse pas les ennemis. Parce que sinon elle les désengage en fait, donc c'est chiant. On peut pas se mettre à côté de quelqu'un qui est engagé si je tape en premier en fait. Parce que ça va la désengager. Donc ça c'est bien. Lui du coup, lui c'est moins intéressant parce que lui il faut qu'il puisse bouger, se détacher des gens. Donc je pense qu'on va garder comme ça. Hop. Et elle fera un peu plus de dégâts. Bon c'est pas énorme énorme. Mais ouais.
Bon, je suis un peu déçu là. Qu'on a dû attaquer le mec là comme ça là. Alors que depuis le début du jeu, il vous laisse regarder et là non. Je trouve ça un peu salaud quand même. Allez, ce sera tout. Se reposer. Sanglier gras, x2. C'est qui veut parler? Ah, c'est lui. Je vais donner pour me recruter ou vous payez ma tête? 230. Non. Non. Ça c'est quoi? C'est dégâts contre les cibles engagées, augmenté de 30%. Merci. T'es bloqué avec nous depuis un petit moment, mais c'est. On te veut pas, hein. On te veut pas du tout. Hein. C'est. Bon, tu bouffes beaucoup, hein. Mais en théorie, on veut te. On veut te vendre, hein. Et on ne trouve pas de prison. Oh la vache. Peut-être qu'on retournera. En prison là-bas. Au prochain épisode. Bon. Bon ben voilà. Ça sera tout pour cet épisode. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ah, ça s'est bien passé. On a fait beaucoup de combats. Beaucoup d'améliorations d'équipement. On a beaucoup de gens. Du coup, c'est un peu compliqué à chaque fois de voir. On passe souvent 1 ou 2 minutes à bien regarder. Mais ouais, on avance petit à petit. Là, c'est bête parce qu'elle est bas en niveau pour le moment, la Jill Valentine. On a du meilleur équipement. Genre, on a ça par exemple, mais il faut que ça soit niveau 5. Donc, ouais, c'est pas pour demain, quoi. Alors, est-ce qu'on va garder? Je sais pas. Après, il y a les épées. Les épées de l'œil, là, qui font du feu. Si on est protégé contre le feu, à la limite, je dis pas non. Je dis que ça peut se jouer. Mais il faut. Ouais, non, il n'y a pas grand monde en fait qui fait du feu. Enfin, pardon, qui joue épée. Il y a elle, mais bon, voilà quoi. C'est. Hein? On a compris. Après, il y a. Il y a 8. Mais comme on a dit, 8, c'est pas vraiment, c'est le mec qui doit bouger en fait, pas qui doit tanker, qui doit bouger et buffer. Donc du coup l'interception est vachement bien pour lui. Surtout que s'il touche plusieurs cibles, il va les debuff maintenant. Dégâts réduits de 50%. C'est vachement bien. Donc si on lui met ça, c'est 2 mètres. C'est beaucoup mieux en fait. Mouvement 8 mètres. Donc ouais non, il n'y a pas à dire. Allez, à la prochaine, portez-vous bien. Moi je vais regarder sur la vidéo ce que c'était les récompenses du mec. Bon, de toute façon c'est trop tard maintenant, on peut plus revenir. Mais ouais, c'était la première fois où on était vraiment bloqué dans le fait de l'attaquer. Ça c'est emmerdant ça. Mais bon, on a eu 300 pièces d'or. Ouais. C'est fait maintenant. Prochaine, ciao.